Vas-y Alex, la dernière fois il y avait une meuf que j'ai pécho là, elle a dit que j'avais pas de pec. Eh là c'est Alex, c'est quoi ces pecs de route PD que t'as là? Soit tu te muscles, ou soit j'allais pécho un autre mec de la cité. Et tu pourras plus faire du jeu avec ça. C'est fini pour toujours. Playmobil, en avant les histoires. Alors mon fils, à ce qui paraît tu aimes t'afficher sur YouTube. Hey fils de pute. Avertissement, cette séquence a été tournée par des professionnels. Ne faites pas ça chez vous. Allez, petite astuce de tonton Jean pour profiter des bienfaits des deux exercices. En même temps, ça... Faut juste pas se péter la gueule. Mais lui, si tu conseilles quelque chose, faut surtout pas faire comme ça, quoi. Je dis ça, c'est de la merde. Personnellement, je gagne ma vie de 5 manières différentes. Les revenus YouTube, les revenus de mon sponsor de compléments alimentaires MyProtein, les droits d'auteur liés à mes vidéos, les placements de produits dans mes vidéos qui sont plus ou moins nombreux. En gros, ça dépend des marques qui me contactent. Et si j'arrive à imaginer une vidéo qui peut vous plaire sans que la présence de la marque détériore le contenu de la vidéo. Et dernier point, les revenus de ma marque de vêtements. Mais attention, tous ces revenus ne vont pas dans ma poche. Vous allez, alors les amis, vous allez, vous écrivez le nom du youtubeur sur société.com, vous allez trouver qu'en capital social pour ça zue là, 219 000 euros de capital social. Vous croyez qu'un mec qui n'a pas d'argent, il aurait pu mettre un aussi grand capital social? Mais arrêtez les amis de faire pitié, il y a zébé, pour rien. Le mec, je le répète encore une fois, et se ramasse énormément d'argent, que ce soit de YouTube, les ventes de vêtements, les placements de produits, les marques avec MyProtein, machin, où il est sponsorisé. Moi, avec ma première chaîne Maître Cal, je faisais peut-être une dizaine, une quinzaine de vidéos par mois. Je montais à 100 000 vues par vidéo. Les amis, c'était la belle période. Franchement, je vous dis la vérité. Même quand l'État me prenait des sous, voilà, les impôts dessus, les sous, les intérêts, machin, ce que vous voulez. J'arrivais à me faire un billet de 1000, 1200 euros. Aujourd'hui, je vais m'occuper du cas des Kikou Vanessa à option CAP coiffure qui viennent à la salle pour faire des cours de Zumba Fitness, du step, ou autres cours collectifs de merde, mais aussi de celles qui font de la musculation barre vide. Donc, déjà, qu'on soit bien clair, pour quelle raison est-ce qu'une femelle vient à la salle? Pour être bonne putain de merde. En réalité, les femelles sont comme les hommes, si elles viennent à la salle, c'est pour être bonnes. Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire, comment j'ai fait pour sortir de la merde. J'ai travaillé pour deux employeurs qui étaient juste abominables pendant plusieurs années et qui ont essayé de me rabaisser jusqu'au bout, de me critiquer, de détruire ma personnalité parce que ils n'avaient rien d'autre à faire que de s'occuper des autres au lieu de s'occuper d'eux. Hey, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Donc, comme vous le voyez... Non, c'est vrai, je suis moins costaud que Rudy. Rudy, c'est vrai que je suis moins costaud. Ah, mais toi, quel baratineur. Tu peux le dire, t'as des plus gros bras que moi. Aujourd'hui, on est... Vas-y, excuse-moi. Peut-être des plus gros mollets. Mais en attendant, mes bras, c'est du bacon. C'est du béton. Du bitume. Mes bras, c'est des bidules. C'est des bidons. Mes bras, c'est comme des bidons. Salam alaikum, les gnoubis, bonjour à tous les pays francophones. Oula, attends, merde, j'ai pas lancé le bon disque. Voilà, c'est réglé, on peut y aller. Salut à tous les soumis, aujourd'hui on se retrouve au KLM devant mon canapé car l'heure est grave, des filles font des photos au hasard, sans suivre leur cycle de progression de shooting, c'est une vaste fumisterie car seuls les kikos doués ou dopés peuvent prendre des bonnes photos au hasard. À ce rythme là elles vont toutes choper un cancer dans 20 ans, si vous ne me croyez pas, achetez mes e-books bande de salopes, allez c'est parti pour la vidéo. Tu es bonne grosse chienne, ma bite dans ta chatte, pute, appelle-moi. Tu es une pute, méga pute, sus pute, hyper pute, super pute. Salope, cordialement,
Viens bouffer mes noix salopes. Alors attention, là on a du lourd. Si si, je me branle sur toi tous les jours. Ma bite, bande de ouf, j'ai envie que tu me suces grave. Dès la fleurée dans ta bouche avec la cupeur, tu enfonceras ma bite le plus loin dans ta gorge, je te plais. Après j'ai envie de baisser. Baisser avec toi sans capote dans ta chatte. Si si, je t'éjaculerai dans ton trou. Bah qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma grosse? Tu montes ton cul dès que t'en as l'occasion. Donc faut pas s'étonner si certains mecs veulent le bouffer. En gros, c'est à ce moment-là, à ce moment où je sors mon petit shaker de whey à la fraise, que d'un seul coup les gens tournent le regard vers moi. Une question revient souvent à ce moment-là, c'est tu te dopes. Pourquoi tu prends de la whey? Enfin, pourquoi tu prends de la protéine en poudre? Qu'est-ce que c'est? C'est du dopage. C'est à ce moment que je me dis que toi, tu n'aurais jamais dû poser cette question. Monumentale erreur. Spécial jet hors norme. Donc, ne cassez pas les bonbons. Ma diète, c'est un Batman Fitness. Tiens, Snickers, ça c'est ma diète totale, ça. Ma diète à moi. Ma diète. Le lion. Le lion de l'Atlas. Ouais, on est des marlous. On est des marlous. Ouais. Regardez-moi ça, c'est ma diète ça. Là, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Ça c'est Kinder, les Bianco. Ça c'est ma diète. Ça c'est ma diète solo. Allez, les bonbons. Hein. Bienvenue dans le monde du fitness, ce monde où on essaie de te faire croire que tout est rapide, que tout est facile et que t'as pas besoin d'apprendre à t'alimenter ou à t'entraîner, mais que c'est grâce à ce super aliment ou cette nouvelle pilule minceur que tu vas faire des gains et que tu vas prendre de la masse musculaire, que tu vas perdre du gras et que tu vas t'envoler vers d'autres cieux, que tu vas ressembler à ça en 2 semaines. Enfin, plutôt ça, si t'es un mec, mais t'as compris ce que je veux dire. Moi, j'ai saoulé. Je t'embrasse gros, je m'as gonflé à les bises. Oh, oh. Oh non, il va le café, sérieux. Nous aussi, on a entendu ces annonces de fou, ces trucs de dingue où t'as une grand-mère qui a un secret que t'es pas censé découvrir. Où t'as cette femme qui perd 8 kilos en 4 jours. Ou encore René, 8 cm. Ouais, non, bon, ça c'est un sur deux. Bref, en fait, à l'heure actuelle, on essaie de vendre quoi? On te vend des pseudo-programmes créés par des pseudo-coachs qui prônent l'utilisation de produits qu'ils n'utilisent pas et qui utilisent des trucs qu'ils ne diront jamais. Ouais, aujourd'hui, substitue le repas protéiné. J'en ai un. Là. Survitaminé, surperoxydé, mais. Ça c'est quoi? Des crèmes brûle-graisse. Genre ça chauffe, ça brûle, ça brûle. Des thés détox. L'été alors plus c'est exotique mieux c'est. Ça vient des Alpes, c'est pas mal. L'Himalaya encore mieux parce que je pense que c'est plus haut. Bref, on a l'impression qu'on peut acheter notre santé quoi. En plus c'est dégueulasse mais. Ah oui oh. Pas trop sucré oh. Ah, c'est sucré à souhait. Alors, je vais vous montrer un exercice qui s'appelle le butterfly. Viens voir ce saut, ça c'est... Si par exemple vous êtes chez vous, vous n'avez rien pour faire les pecs, vous voulez travailler en isolation. Tac, une main de chaque côté. Et voilà. Bon là, j'ai forcé un petit peu plus à gauche, vous pouvez voir. Donc il faut bien travailler aussi les déséquilibres. Après vous pouvez faire de l'unilatéral. Ouais, c'est contre le mur, oui. Et voilà comment on démonte une armoire. Tu veux une médaille? Tout de suite maintenant, ça a pris 30 000 euros. Vous le mettez dans une galerie d'art contemporaine. Putobrac Vasarely. Putobrac Vasarely. Putobrac. Ça s'appelle le Kundelich 2. Le Kundelich 2, je vais le mettre en vente sur eBay. Et les enchères commencent à 20 000 euros. Bon, allez là, ça suffit. On s'en va. Revenons au sujet de la vidéo, je vais te montrer 5 minutes de circuit training avec seulement 2 assiettes
en carton que tu vas pouvoir trouver ici. Tu mets la face qui glisse le plus, bien sûr, vers le sol et tu vas voir que ça va être assez intense, même très intense, hardcore, pour ressentir ton six-pack bien travaillé.